Star Academy, Lucie Bernardoni consternée par une de Léa au sujet de Patrick Bruel. Patrick, ce prénom n'a cessé de résonner dans le château de Damary-les-Lys. Ce mercredi 16 novembre, comme de nombreuses vedettes avant lui, dont Camille Lelouch, Kenji Girac, Matt Pokora ou encore Kev Adams, Patrick Bruel a rendu visite aux candidats de la Star Academy. Face à un Yanni Marshall complètement sous le charme, il s'est présenté aux 6 élèves restants, qui n'en croyaient pas leurs yeux. Ensemble, ils ont interprété le dernier morceau du chanteur de 63 ans. Encore une fois, autour du piano. Une grande émotion pour les académiciens, heureux de pousser la chansonnette avec une telle référence du répertoire français. Qui aura la chance de chanter en duo avec lui ce samedi 19 novembre, lors du prime. Comme l'a annoncé Michael Goldman, le directeur de la promotion, c'est à lui que revient cet heureux privilège. De quoi donner le blues à Léa, également en lice pour ce duo, qui espérait tant pouvoir chanter quelques notes avec celui qui compte parmi ses chanteurs préférés. Mais les téléspectateurs le savent désormais, quand la jeune femme désire quelque chose, elle n'est pas du genre à baisser les bras. Ainsi, lorsque les deux répétitrices des primes, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff, sont venues leur rendre visite pour réviser leur performance du week-end, Léa a sauté sur l'occasion pour leur demander un petit arrangement, expliquant que le morceau Encore une fois de Patrick Bruel était son préféré du moment. Elle a demandé aux deux professeurs si elle pouvait faire quelques chœurs lors de sa performance avec Louis ce samedi. Mais si l'ancienne candidate de The Voice était plutôt ouverte à la discussion. Celle qui a été très proche de Grégory Lemarchal, elle, a été catégorique, cela affecterait l'équité entre les candidats. En effet, chaque académicien doit avoir le même temps pour performeur, afin de ne pas influencer les téléspectateurs dans leur choix. Mais là encore, Léa avait une solution sous le coude. Elle a ainsi proposé de céder quelques-uns de ses couplets à Enola et Sienna, avec lesquels elle va chanter en trio, afin de pouvoir chanter avec Patrick Bruel en contrepartie. Un procédé peu conventionnel qui n'a pas convaincu Lucie Bernardoni, laquelle, consternée par l'insistance de la candidate, a préféré mettre fin au débat en martelant qu'aucune modification ne serait apportée aux primes. Une bataille de perdu pour celle qui se retrouve sur le banc des nominés de la semaine. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.